rentrée scolaire. Et j'espère que nos people en ont profité pour renouveler leur dressing. Ouais, en même temps que les fournitures scolaires. J'ai pas eu de vacances, donc je suis très amère en ce moment. Et je sais que la Fashion Police saura m'apaiser. Notre invitée du jour, c'est The Background. Eh ouais, elle excelle dans le traditionnel comme personne. Elle joue avec les coupes, les couleurs. Un parcours cosmopolite digne de ce nom. Je sens que je vais m'éclater. Comme je me la raconte avec ma ceinture, elle est juste magnifique. Un magnifique cadeau de mon invité. On aime les invités qui offrent les choses. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Caprice, on t'a fait un cadeau aujourd'hui ou pas? Non. T'as pas de ceinture? Non. T'as pas de ceinture de notre invité? Non. Oh là là, ma pauvre. Je vais m'en remettre. Je vais m'en remettre. Alors, notre invité, on est ici du lourd. Enfin, ouais. Il faut dire que quand même, cette rentrée, j'ai pas lésiné vraiment ouais. sur les moyens, en fait, concernant les invités. Et là, c'est du lourd. Ouais, on rentre avec... mais je te trouve sympathique dans tout ce que tu dis sur notre invité. Je comprends pas. Ma chère Caprice, tu comprendras qu'en fait, quand ton background est réel, quand ton talent parle pour toi, on ne peut que s'incliner. Alors, je suis d'humeur très humble aujourd'hui. Tu vas me laisser tranquille, j'ai pas envie de trop parler. Non, je vais rééquilibrer tout ça. Attends. Qu'est-ce que tu comptes dire quoi sur elle? Attention, elle m'a donné une ceinture, fais pas ça, s'il te plaît. Je vais rééquilibrer la chose. Je m'excuse d'avance, car pour une fois, l'eau se transforme en vin. Notre invitée du jour me fatigue, mais elle me fatigue à un point que vous n'imaginez pas. Cette alien pue le succès à des kilomètres. Du Brésil aux États-Unis jusqu'à Abidjan, le talent sort par chaque pore de sa sublime peau ébène. Je crois d'ailleurs que si elle avait dessiné mes uniformes d'école, je ne serais pas devant vous, mais sur un banc. Une apparition dans Black Designer Spotlight et Queen Bee elle-même a décidé que notre invitée l'enverrait en formation. Un bout de Java vintage, vert olive entre ses mains et je m'évanouis. Je crois que la seule chose qui manque au parcours de cet afro sublimement structuré, c'est un tour sur le grand écran. Car en matière d'expression, chacune de ses vidéos démontre un talent d'actrice incroyable. Chacun et chacune d'entre nous a déjà vu au moins l'une de ses créations. Mais si vous ne connaissez pas encore son visage, c'est le moment d'accueillir la sublime Loza Maleombo. Loza, quel plaisir de t'avoir sur mon plateau. Oh là 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 là, tu me fascines. Assieds-toi, Loza. Tu es fascinante, autant par ton parcours, mais autant par comment tu te fonds, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tu ne veux pas qu'on te voie. On a l'impression que tu veux qu'on voie que ton travail. C'est la bonne impression que j'ai? Exactement. Mm-hmm. Dis-moi, Loza. Bien perçu. Tu as commencé à t'intéresser à la mode à 13 ans. Ouais. J'espère que j'ai fait de bonnes recherches, que je ne raconte pas n'importe quoi. Et je sais qu'à l'époque, en fait, tu aimais bien coudre des vêtements pour ta tante, ta maman, des uniformes, des trucs dans le genre. Ah, je suis pas mal quand même. Alors du coup, où t'es venu le déclic? J'aimais la mode à partir de 13 ans. Et donc, comme tu as dit, j'ai beaucoup dessiné, créé pour mes tantes, pour mes sœurs, pour ma mère. Mais c'était pas l'instinct, mon premier instinct dans mes études supérieures. D'accord. En fait, j'ai fait des études en infographie, animation, parce qu'à un moment donné, j'étais
dans le délire des dessins animés. Je sais. Et de la 3D. Et puis, après avoir reçu mon diplôme, j'ai retrouvé, je suis retombée amoureuse de la mode. Et donc, j'ai voulu développer ma profession à ce niveau-là. Donc, j'ai effectué des stages avec des stylistes américains. Et à un moment donné, quand j'ai terminé, je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. En 2012. C'est ça. Et utiliser les matières locales, le savoir-faire local, la main-d'œuvre locale, pour vraiment valoriser la culture, mais en même temps proposer des vêtements que je ne voyais pas sur le thé à l'international. D'accord. Alors du coup, en fait, tu es née au Brésil, tu as grandi entre les USA et la Côte d'Ivoire. C'est de là que vient ton multiculturalisme, c'est comme ça qu'on dit. Mais j'ai aussi déniché papa. Parce que je vois que depuis petite, en fait, il avait... Là, vous étiez, je crois, au Brésil, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Bah ouais, j'essaie de faire des belles recherches sur toi, parce que tu me fascines, comme j'ai dit, en fait. C'est... Et donc, du coup, je me rends compte, en fait, que votre père, ton père, était quelqu'un déjà qui vous habillait dans des vêtements africains, dans un pays complètement étranger, qui vous donnait, en fait, comment je veux dire ça, en fait, c'est-à-dire... l'amour, en fait, de votre culture, c'est ça. Mon père et ma mère, d'ailleurs. Ah, les deux. Bah, moi, j'ai vu que papa. Très beau, en plus, pour vous. C'est le moment que nous a habillés. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très ancrés dans leur culture et qui ont vraiment poussé la culture chez leurs enfants. Et ça a beaucoup joué aujourd'hui. Ça, bien sûr, ils ont planté la graine. Donc, Alors, tu es très engagée, en fait, dans l'artisanat, dans la culture africaine et tout ça. Donc, je pense que tes parents, ils sont pour beaucoup. Mais toi-même, en fait, qu'est-ce qui... Après, on est tous très fiers d'être africains. Mais j'ai l'impression que tu es plus fière que tout le monde, en fait. Parce que tu le revendiques dans n'importe quel support de communication. C'est une dinguerie, quand même. Pourquoi? C'est une mission que tu t'es assignée? Non, je pense pas que ce soit une mission ou autre. C'est juste que... On va dire que je suis artiste et j'ai une sensibilité beaucoup plus poussée pour tout ce qui est culture africaine. Et pour avoir grandi dans des milieux étrangers, forcément, tu te retrouves à un moment donné saturé parce que tu ne te retrouves pas, tu ne retrouves pas tes codes, tu ne retrouves pas ton background, comme tu dis, africain. Donc, tu veux l'exprimer. D'accord. Et donc, quand tu commences à l'exprimer à l'international, à l'étranger, ils voient ça comme quelque chose de fantastique. De wow. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ouais. Et donc, moi, je pense que la différence, c'est que en étant ici tout le temps, c'est comme quand tu baignes dans l'eau pendant trop longtemps, tu ne sais plus qu'il y a de l'eau autour, en fait. Je vois le délire. Donc, on adore. Et il ce n'est pas qu'une Beyoncé qui nous dira le contraire. Alors, tu sais quoi, Loza, j'ai une nouvelle rubrique. Enfin, elle n'est plus très nouvelle, cette rubrique maintenant. C'est Dressing de Star. Alors, comme ça, Caprice, notre chroniqueuse s'introduit dans le dressing de nos célébrités. Puis par derrière, nous deux, on va essayer de décortiquer cela. Passons à Dressing de Star. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Dressing de Star. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de vous emmener dans le dressing de Lionel. On va y découvrir, j'en suis sûre, des pièces qui vont faire parler. Surtout toi, Eka. On sait qu'il a un look parfois un peu compliqué, dirons-nous. Chose est sûre, je vous y emmène. Allons-y. Avec toi, tout devient simple. Franchement, tu n'es pas simple. Tu as le pouvoir de transformer. Salut. Ça va? Ça va bien, Caprice. Super. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de te recevoir. Voilà, teste-toi. J'ai hâte. Après toi. Je monte? Ok, super. C'est avec toi que je me sens bien. Mets-toi à l'aise à propos. Il y a des choses pour me dire de toi, Lionel. Fais comme si tu étais chez toi. Voilà. Tu es dans le royaume de Lionel. Ouais. Je suis sa reine le temps d'une journée. Tu vois, alors comme tu es là, parce que la semaine dernière, je n'avais pas loupé, vous avez critiqué mon look. Hein? Je vais m'apprêter pour ne pas que quelqu'un tombe sur moi encore. Ok. Je me change et puis je reviens. Ça marche. Je peux filer en attendant. Fais comme si tu veux. J'ai le droit. T'es chez toi, carte blanche. Merci beaucoup.
comme il nous a donné l'autorisation, on va surtout pas se gêner, allons fouiller. Est-ce que vous voyez ce que je vois? La fameuse pièce de Miss Côte d'Ivoire. Il va venir nous expliquer. On doit en parler. Bon, moi, personnellement, j'adore. Hein. Mais on doit en parler. Les chaussures. Il manque les talons. Il nous manque les talons. Il va m'expliquer où sont les talons. Mais que vois-je? Je fais mon petit malin. Ah, en tout cas, elle s'est bien fait. Oui. Très royal. Oui, oui, un vrai petit baroulé, un vrai petit Akan. Voilà, c'était important de revenir toujours sous. Là, je sais que je suis dans ton royaume. Bien sûr. Là, je le sais. Je t'accueille là dans mon royaume. Vraiment. Non, tu me... Alors, si on commençait à se dresser... Attends, laisse-moi mettre... Il faut qu'on voit mes chaussures quand même. Mais voilà les talons. Voilà les talons. Je les cherchais. Je les cherchais en temps, il les portait. Bah, cette histoire de talons, ça sort d'où? Ça vient d'où? Mais j'ai ça depuis pratiquement plus d'un an. C'est maintenant que je porte ça. Ah, j'avais peur de porter, j'hésitais quand même. Après, il fallait toucher les vraies tenues, les vraies pièces qui marchent avec. D'accord. Alors, dis-moi, Lionel, oui. Quelle est la plus vieille pièce de ton dressing? Si tu as de vieilles pièces. La plus vieille pièce? C'est pas évident de trouver souvent des vieilles pièces sur moi parce que j'aime offrir. Celle-là. Ai-je besoin de dire que j'aime la couleur, déjà? Elle a sauté à tes cheveux en plus. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors dis-moi, elle est vieille comment? Parce qu'elle n'a pas l'air si vieille. Alors elle date de 5 ans, comme ça. D'accord. J'ai pris ça avec un styliste malien, ici à Abidjan, Adi Style. Mais je ne l'ai jamais porté. Ah ouais? Je cherchais la bonne occasion. C'est pour ça que je la garde. J'aime bien la couleur parce que c'est très frais. Oui. Mais je cherchais la bonne occasion pour la porter. Donc elle est toujours là. Mais je dois trouver la bonne occasion. En tout cas, moi j'aime. Elle est simple, mais simple. La couleur fait tout. Oui. La couleur fait tout. D'accord. Ok. Je la replace. Maintenant, si on parlait du nerf de la guerre. Ah bon? Quelle est la pièce la plus chère de tout ton dressing? Celle-là. Ne bouge pas. Celle-là. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ouais, celle-là. Celle-là. On la connaît. Vous la connaissez. Elle vous rappelle des choses. Dis-nous tout. Explique-nous tout de alors, cette veste. Ça c'est un costume, c'est une pièce de la collection du styliste ivoirien vivant en Europe, Zadi. Alors, c'était l'année dernière, l'année surpassée, je pense, lors de la Fashion Week. J'étais là-bas et puis lors du défilé, j'étais à son défilé. Et quand j'ai vu le mannequin sortir, j'ai dit, cette tenue-là, il me la faut. Mais alors, pourquoi ça pas... fait polémique comme ça? Alors, parce que peut-être j'ai eu le cran de porter du rose à Miss Côte d'Ivoire. Voilà. T'as porté du rose un an trop tôt? Un an trop tôt, oui. Parce qu'après, maintenant, c'est ça. Tout le monde commence à porter du rose, ouais. Aujourd'hui, c'est tendance. Oui. C'est la couleur du moment. Ouais, je ne porte plus, je porte plus du rose. Non, du coup, on va dire que tu étais avant-gardiste. Ouais. D'accord, on va passer à la prochaine question. On va partir sur la pièce de ton dressing que tu ne portes jamais. Là, il y a énormément de pièces. Il y a celle-là. On la voit bien. Okay. Ouh, elle est magnifique. Magnifique. Ouais. Yeah, c'est lourd, hein? C'est lourd. Ouais, je ne peux pas porter ça ici. Vrai cuir. Ouais, même dans la clim, franchement. Ouais, je peux pas. Ouais. Ça, c'est vraiment elle quand très tu belle. Vas dans le froid, mais elle est magnifique. Oui, oui. Elle est magnifique. Même il y a celle-là aussi, Claude François. Ah. C'est que je n'ai pas peur des couleurs. En tout cas, c'est ce que j'aime. Celle-là, c'est d'un styliste ivoirien, il s'appelle Bidélis. Voilà. Elle aussi, elle date même de 3 ans. 3, 4 ans, je n'ai jamais porté. Tu n'as pas encore porté. Mes pièces sont assorties à tes cheveux. C'est la couleur. Tu dois t'habiller ici maintenant. C'est ce que j'allais dire. Tu dois choisir entre les deux.
tu veux quelle tenue? Ah, celle-là. Oh, bien sûr. Donc, après l'émission, je t'offre ça. Ah, merci. On va partir sur la pièce qui te met le plus en valeur. Vas-y, quand je sors cette pièce-là. Ouais. C'est un ensemble. Ouais. Ça, c'est chic. Oui. C'est très, très chic. Oui. Et tout le monde ne peut pas se permettre aussi de porter un total look blanc comme ça. C'est pas pour tout le monde. Tu t'es déjà dit, j'ai pas peur de, couleur. Ouais. Voilà, ça, c'est du rocaille à peau. On va partir maintenant sur la pièce à laquelle tu tiens le plus. Je pense que dans mon dressing ici, c'est un accessoire qui, qui ne me quitte jamais. D'accord. L'accessoire est de l'autre côté là-bas. On va regarder ça? Bien sûr. Allons. On y va. Alors, déjà on arrive dans la partie parfum, lunettes, accessoires quoi. Oui, ce sont les accessoires. C'est la base, c'est-à-dire quelle que soit la tenue. Après, ce sont les accessoires qui déterminent tout. D'accord. Alors, montre-moi cette pièce porte-bonheur. Alors, j'ai une pièce porte-bonheur ici. Je n'ai jamais montré à personne. J'ai la première à voir. Ah! C'est celle-là. Faut t'asseoir pour me montrer ça. Mon roi ne peut pas rester debout comme ça. Alors, cette pièce, c'est ma pièce porte-bonheur. C'est le seul cadeau que je détiens de ma défunte mère. D'accord. C'est le seul cadeau, c'est-à-dire la seule chose que ma mère a touchée. Ça fait 23 ans que ma mère est décédée. Donc c'est la seule chose qui me reste d'elle, qu'elle a touchée. Voilà. Donc elle avait écrit une lettre à mon père, c'était la lettre qui était dedans. Donc ça, depuis que ma mère est décédée, j'étais petit, j'ai gardé ça. C'est magnifique. Donc c'est elle là, les gens. Oui, bien sûr, il y a la photo de ma mère dedans. C'est magnifique. D'accord, mais je comprends que ça soit ton porte-bonheur. Oui, bien sûr. Et du coup, on en revient encore au fait que souvent les pièces, c'est pas la valeur pécuniaire c'est clair. Qui en font quelque chose de très cher. D'accord. Donc on va remettre cette pièce merci. À sa place. Ok, c'est là. Puis, ouais. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir ouvert les portes de ta maison, de ton dressing. Merci pour l'accueil que tu m'as réservé. Tu m'as vraiment, vraiment honoré. Vraiment, pour les prochains, prenez note. Il y a du level dans l'accueil. Ils vont faire plus, mais je confesse aux Ivoiriens. Mm-hmm. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Lionel. Ce fut un réel plaisir. On va retourner en plateau voir Eka et son invité. On va écouter toutes les critiques qu'elle a à faire sur tes pièces, sur tes looks. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain dressing. Bye bye. Avec toi, tout devient simple. Franchement, tu n'es pas simple. Tu as le pouvoir de transformer un bad boy en lover. Aucune fille ne me dit plus rien. J'irai chez vous pour demander ta main. Je dis partout que c'est avec toi que je me sens bien. Baby, ton amour est pour les autres. Ce n'est pas du tout pareil. J'ai vécu des choses, mais avec... Tu veux prendre la place des cas dans le clip? Pardon. Merci. Caprice, je sais pas moi, DJ et le monde derrière, la production essaie de voir tout ça. Caprice, beaucoup de laisser-aller, hein, des danses, des trucs. Loza, c'est Caprice que tu as vu et danser, mais bon, c'est pas de ça qu'il est question. Alors, lui, c'est Lionel. Mm-hmm. C'est un artiste ivoirien pétri de talent, mais vraiment de la qualité pure. Son dressing, je le connais plus ou moins, et c'est quelqu'un qui a de grosses pièces. Mais ce qui m'intrigue avec son dressing comparé à pas mal de personnalités publiques, quand tu rentres, tu verras du Dior, du Gabbana, du truc, toutes les grosses marques italiennes, françaises et tout ça. Mm-hmm. Mais avec Lionel, c'est plutôt en fait des stylistes made in Africa. Mm-hmm. Ils s'achètent les plus grosses pièces pourvu que ce soit en Africa. Et toi, en tant que styliste africain, je pense que quand même... Ça te fait plaisir quand même, bien pour le coup. Bien sûr, absolument. On ne demande que ça, que d'être soutenu par nos contemporains. Ouais. Donc, c'est une action à célébrer. Complètement. Mm. Et du coup, quand tu regardes Lionel, dis-moi, est-ce que c'est quelqu'un que tu pourrais habiller
par rapport à son gabarit, par rapport à son look. Je pense qu'on a vu clairement quel genre de look il a. Hein. Le Nel est assez inventif, créatif, il n'a pas peur d'oser. Mm-hmm. Est-ce que c'est, tu ferais l'habiller ce mec? Absolument. Complètement. Je pense que déjà sa confiance en lui, son audace dans son choix de pièces et de vêtements, c'est mon profil type de client. Parfait. Alors Lionel, revenons à ta pièce rose. Alors cette pièce rose, il y a une petite histoire derrière. C'était effectivement lors d'un défilé de Zadie, où j'y étais, j'étais assise juste à côté de Lionel. Et quand le mec est passé, en fait, avec la tenue comme ça, j'étais en mode... Lionel dit, je prends cette pièce. Et la pièce coûtait hyper cher. J'étais sérieux, tu vas vraiment prendre cette pièce-là? Mais dès que le défilé est parti, il a ramassé la pièce. Donc du coup, j'attends qu'il la porte deux, trois fois. Je vais voir si je peux récupérer. Ouais, j'ai le droit quand même. On recycle. Bien sûr. En tamis, on doit faire des choses. Mais quand même, oui, sympa. Sinon, à quoi ça sert? Sinon, à quoi ça sert? Alors, Loza, depuis tout à l'heure, je ne sais pas, quand je suis avec toi, je suis gentille, j'ai l'air douce. Je sens que je vais ennuyer les téléspectateurs là-bas, je ne sais pas. Je vais passer à la Fashion Police. Avant de passer à la Fashion Police, il faut que je puisse quand même passer à la pub. Okay. Ensuite, on viendra. Alors, Loza, Solange Knowles, Beyoncé Knowles, toute la famille Knowles, ils ne manquent plus que Blue Ivy. T'as pas encore habillé Blue Ivy? Non, pas encore. T'as habillé Solange Knowles? Solange, Beyoncé, Kelly Rowland. Mm-hmm. T'as également habillé... tu sais quoi? J'ai vu un clip de Wizkid. Mm-hmm. Je crois Come Closer ou je sais plus trop quoi. Energy? Non, pas Energy. Je sais plus si c'est Come on Closer. Pas que je raconte n'importe quoi. Non, c'était dans Énergie, en tout cas. Dans Énergie, il avait fait un clip vidéo, en fait, où tu avais habillé complètement les personnes dans tous les clips vidéo. Ah, c'est ça que je parle, en fait. Come Closer, attends. Come Closer. C'était C'est oui, Come Closer. Non, attends, t'as oublié. Applaudissez pour moi, je connais mieux son CV. Non, mais attends. Ah, moi, je me suis dit, mais attends, non, mais attends. Si, si. Alors, c'est Come Closer de Wizkid, et c'est un clip qui était complètement habillé par toi. Mais voilà, T'allais me faire douter, là. Alors, j'ai surkiffé. Je vais déjà kiffer le clip. Mm-hmm. Mais le truc, c'est que je me suis dit, attends, mais c'est Loza Malheureuse. Il m'a fallu longtemps après pour savoir que c'était toi. D'accord. Franchement, chapeau. Voilà, Come Closer. Ah, ah. Mais voilà. En tout cas, j'ai une ceinture qui n'est pas loin de celle de Beyoncé. Voilà. C'est la même, juste en différent. Non, c'est la même, même. C'est la même ceinture. Alors, du coup, comment s'est fait, en fait, ce contact? En fait, c'est vraiment... un coup de chance. La révolution d'Instagram, les réseaux sociaux. Non. Mais si, absolument. En fait, moi, je fais beaucoup de photos visuelles. Exactement. Qui sont assez attirants, atypiques. Et donc, du coup, quand je les poste sur les réseaux, en général, ça prend... les gens aiment beaucoup parce que c'est beaucoup de graphisme, c'est beaucoup de créativité aussi. Donc, ouais, du coup, ça attire un peu l'attention des gens sur les réseaux. Et donc, ou après, c'est les équipes, les stylistes, les équipes des célébrités. C'est tellement intéressant ce que tu me dis, mais je dois aller un peu faire quelque chose que j'aime bien. Mm. Avec toi, je suis trop gentille parce qu'il y a trop de talent. On va partir à la Fashion Police. Je vais revenir sur toi. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? J'ai pas eu de vacances, ma vie est amère. Carmen Sama, dans un pantalon où on voit toute la cellulite, toutes les cuisses et tout ce que j'en passe. Alors, Carmen Sama. Carmen Sama qui est aujourd'hui une personnalité publique de la Côte d'Ivoire, suite au décès de son regretté fiancé. Je veux lui parler de son pantalon. Alors, la couleur est magnifique. La personne elle-même est magnifique, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on s'habille selon sa morphologie. Là, on est sur un pantalon, en fait, qui n'a rien à voir avec cette morphologie. En général, quand on a des curves comme ça, je conseille plutôt des bootcuts, aller quand même sur des pantalons palazzo, ou que sais-je. Mais tu ne mets pas un pantalon comme ça, que, voilà. Bon, voilà ce que je préconise à Carmen. Croyez-moi, elle sera tout aussi sexy qu'elle porte ça, ou qu'elle porte un palazzo, ou qu'elle porte un bootcut ou un flare, elle sera tout aussi sexy.
Parce qu'on a autant de cuisses, on ne s'amuse pas à porter des vêtements aussi cintrés. Mmh. Surtout au niveau des pantalons. Ça fait mauvais genre. Qu'est-ce que tu en penses en tant que styliste? Est-ce que ce n'est pas aussi la direction de la caméra? C'est possible que ce soit un mauvais angle aussi. Alors, j'ai vu cette image en vidéo. D'accord. Et ça donnait la même chose. Mmh. Ça donnait la même chose parce que j'ai vu cette image en vidéo. Je crois, je ne sais plus si c'est sur Snap ou quoi. Mmh. Mais de toute façon, ça montre clair, cette photo montre clairement en fait que ce pantalon ne sied pas à sa morphologie. Mmh. Donc, tu es d'accord avec moi qu'il faudrait qu'elle aille sur des bootcuts, des flyers et j'en passe. Tu sais, moi, je crois sincèrement qu'avec la confiance et la confiance en soi, on peut porter n'importe quoi. Je veux dire, Rihanna peut mettre un sac de poubelle et puis elle sera toujours magnifique. Parce qu'elle a cette confiance-là qu'elle porte en elle. En fait. Alors là, Là, je me permets de te contredire, Loza. On ne parle pas de confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est oser des styles. Mmh. La confiance en soi, c'est pas oser des fashion, faut pas. Là, c'est un fashion faux pas. Parce qu'il y a des connaisseurs de mode. Il y a des gens qui ont écrit la mode et qui nous expliquent en fait que certains types de pantalons sont adaptés à certaines morphologies. Surtout quand ça la dessert plus que ça ne la sert. Parce que là, il y a tout qui est tracé au niveau des cuisses. Mmh. On a l'impression en fait qu'il y a une cassure, comme si elle a perdu une cuisse. Mais non, elle n'a pas perdu une cuisse. C'est le pantalon qui ne sied pas. Alors Carmen Sama est belle. Mmh. Elle a une forme très enviable. Mm-hmm. Après, je peux comprendre que tu n'as pas trop envie de parler sur le sujet, Carmen. Non, en fait, moi, je rebondis vraiment sur le fait de... En fait, nous, en tant que créateur, quand moi, je crée, je vais justement aller à l'opposé de ce que tout le monde pense. Parce que je vais vraiment dans le concept de créer. Tu ne peux pas créer en faisant ce qu'on a toujours fait. Donc, tu es toujours obligé de challenger, d'aller plus loin que le statu quo. D'accord. Donc, si, par exemple, justement, on peut dire, ah, si tu as une forme en hourglass, comme on dit, truc, tu ne vas pas porter des pantalons serrés. Moi, je vais réfléchir, si je dois créer quelque chose, je vais me dire, non, je vais aller. Je vais créer quelque chose qui va contredire le fait qu'on dise que si tu as cette forme-là, tu ne dois pas porter ça. Dans ce cas, tu vas contredire en emmenant peut-être un pantalon serré, mais en te basant beaucoup sur la matière. Une matière qui mettra en valeur femmes qui ont des formes, des curves. En tout cas, je vais pousser la réflexion un peu plus loin. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment démentir ce statu quo, en fait. Donc, ça fait que... En tout cas, moi, dans ma façon de penser, j'ai du mal à critiquer les gens pour leur choix parce que, justement, moi, je vais dans... Tout le monde dit ça, alors je fais. D'accord. Tu vois. Mais c'est quand même bizarre que quand je regardais toute ta collection entière, je n'ai pas vu de fashion faux pas. Passons à Roselyne Laïo. Alors, même pipe, même tabac, encore des pantalons qui ne sied pas à la morphologie. Loza nous dit comme ça. Moi, franchement, quand les gens pensent comme ça, moi je fais comme ça. Loza, voilà son ventre qui est en train de tomber là-bas. Voilà les cuisses qui sont en train de se mélanger. Loza, c'est notre artiste, s'il te plaît, il faut éviter les moqueries. Nous, on n'aime pas quand elle passe comme ça sur un plateau. On n'aime pas quand elle est comme ça sur scène. Et que toutes ces imperfections sont mises en avant. Confiance en soi ou pas, il y a des codes dans la mode. Et quand on veut porter un pantalon plaqué, alors on évite certains tissus quand on a autant de cuisses. On peut aller sur des pantalons, des coupes cintrées, mais avec une matière peut-être qui avait plus d'élastane, qui est moins dure. Par exemple, toi, Loza, t'es un peu plus fine que moi. Si je te vois dans un pantalon palazzo, un certain genre, ça va plus t'aller à toi qu'une personne qui a de grosses fesses. Pourquoi? Pas parce que t'es mieux qu'elle, mais parce que la morphologie naturelle que tu as s'y est plus. Donc, en tout cas, voici Roselyne, ce que tu voulais dire sur Carmen, si tu peux le dire aussi, ça va les apaiser. Franchement, vous n'allez pas aimer, mais... Non, je vais adorer, j'adore. Non, je suis quelqu'un qui partage les opinions. Je pense sincèrement que si elle a l'aise dedans, c'est tout ce qui importe, en fait. Bien sûr, les gens vont avoir des opinions. Je veux dire, moi, j'ai porté ce que j'ai porté aujourd'hui. Tu peux aimer, il y a des personnes qui n'aimeront pas. Donc, est-ce qu'on s'aligne au fait que, bon, on aime ou on n'aime pas? À la fin de la journée, si tu es à l'aise dans ce que tu as apporté, c'est le plus important. Alors, les filles, dès demain, vous sortez en string et vous prenez le plateau. Vous êtes à l'aise avec des strings? Next. Loza, c'est quoi tu me fais? Moi, j'aime pas haut. Alors, Didi Stone, tu la connais, Didi Stone? Yes. Didi Stone, Olomide, elle aime pas trop qu'on lui rappelle qu'elle est la fille de son père. Ça commence à la saouler. Parce qu'elle a su se créer un an quand même dans le milieu. Mm-hmm. Un tout petit peu quand même. Oui. Alors j'ai aimé son petit look un peu collégienne, écossaise. Mm-hmm.
Collégienne écossaise, moderne pour le coup. Le genre de collégienne écossaise qui ne doit pas beaucoup respecter papa et maman. Non. Alors j'ai adoré en fait. J'ai adoré son total look Prada. J'ai kiffé. J'ai les mêmes chaussures, je les adore. Je vois pas bien les chaussures. Alors c'est des mocassins de chez Prada qu'elle a mis avec des chaussettes. Je sais que ma première émission avec Suspect 95, j'ai mis les mêmes. J'ai mis les mêmes chaussures avec quasiment les mêmes chaussettes. La Côte d'Ivoire m'a critiquée pour cela également. Comme ce que tu disais, les goûts et les couleurs. Mais j'ai vraiment adhéré. Elle était très fraîche, entre la couleur des cheveux un peu assortie avec le petit rouge comme ça, des carreaux. Ça, c'est un petit. J'allais justement le signaler. Je trouve que ça très bien d'avoir assorti ça. Les cheveux, non ? Ouais, j'aime beaucoup. Elle est à New York en ce moment. Elle s'éclate, en fait, à Manhattan. Mm-hmm. Et elle nous nargue. Ah, next. Alors, beaucoup de personnes me disent sur les réseaux, mais c'est dingue, Fally Ipupa est quelqu'un qui a du style, mais à revendre, mais c'est dingue que tu parles quasiment jamais de lui sur ton plateau. Effectivement, Fally est très, très, très stylé. Il s'amuse, il risque. En ce moment, il a porté tellement de vêtements de sa vie qu'il est arrivé sur un style de « j'ai plus envie de m'habiller ». Je sais pas, et là, c'est un look complètement blasé, genre flemme. Ce look, il est naze. La seule chose qui fait la particularité de ce look, c'est toutes les marques qui sont assemblées. Et je vais les citer. Alors, le blazer, c'est un grand designer commençant par B. Le sac, un grand designer commençant par H. Par contre, c'est un look arriviste sans qu'on le sache qu'il est arriviste. Alors, Fally est arrivé à un stade de sa vie en fait, où il a envie de plus s'habiller, mais il a envie de dépenser de la thune dans ses vêtements. Donc, on est sur un look complètement flemme. J'adore, c'est tout à fait mon style. C'est-à-dire, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai envie de décontracter. Tu vois, genre, tu es fatiguée, tu te lâches. Avec de grosses pièces. Voilà. En général, ça passe bien avec des pièces de valeur. Parce que si c'est des pièces qui ne sont pas très, 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 très chères, je pense qu'on dira tout simplement que ça fait un peu clodo, ou ça fera du genre, tu ne sais pas t'habiller, ou tu n'as pas de moyens, ou tu manques de vêtements. J'ai l'impression que c'est un style, en fait, qui passe plus aux yeux de beaucoup de personnes parce que c'est de la marque. Ah bon? Je sais pas, peut-être pas à tes yeux, à moi, toi. Moi, j'aurais dit, tu aurais trouvé le même look chez H&M. Ou chez Zara, on est d'accord. Moi, je m'habille chez tout le monde. Ouais. Je m'habille de la plus petite marque que tu puisses imaginer, de la plus grosse friperie que tu puisses imaginer, jusqu'à la plus grosse marque. Mais je t'assure que ce look, il passe aux yeux des gens. En plus, il a bien tagué les marques, Monsieur Fally, c'est un Congolais, il adore les marques. Parce qu'il savait que le look en lui, tout simple comme ça, ça allait pas trop le faire. Pour les yeux des mortels. Je sais de quoi je te parle, Loza. Surtout chez les Africains. Effectivement. Mais j'adore, en tout cas. J'adore aussi. On aime bien. Alors, next. Alors, lui, il s'appelle Kérosène. C'est celui qui met de l'essence dans tout ce qui est avion. C'est ça, non, le kérosène, c'est ça que ça sert. Alors, ça, c'est Kérosène. Je l'apprécie beaucoup pour son style, en fait. C'est-à-dire, c'est vrai que lui aussi, il est très mode arriviste. Ce que j'appelle mode arriviste, en fait, même moi, je pratique et aussi ça, c'est vraiment mettre des marques de façon très visible. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Malgré que je voyais plein de marques apparaître, mais je trouve ça quand même assez épuré. Non, pas toi? Ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien la subtilité des couleurs. Exactement. C'est quand même assez classique. Ouais. Quand même. Mais... ouais, pas mal. Pas mal. Alors, Kérosène est quelqu'un qui s'habille beaucoup. Hein. C'est-à-dire, je pense que pour moi, il est quand même les acteurs du showbiz ivoirien. Il fait partie quand même des mecs qui fait énormément d'efforts sans trop en faire. C'est-à-dire, c'est un artiste, mais j'avais reçu Gadji Seyi la dernière fois qui me disait que les artistes font des folies. Croyez-moi, Kérosène ne fait aucune folie vestimentaire, mais il est toujours le mieux habillé. C'est dingue quand même. Comme quoi. Faut jouer pour la simplicité, la classe. Le charisme. Le charisme qui parle pour lui. On t'adore, Kérosène. Allez, des bisous. Alors, lui, tu le connais? Momo. Oui. Ça te dit? Non, je le connais pas personnellement, mais je pense que je l'ai vu. Surtout ce que je te cite là, je le connais pas personnellement. Hein. Oui, oui, oui. Il y a aucune personne que je cite que je connais. Hein. Mais quand je le connais, c'est est-ce que tu sais qui c'est? Oui, je vois. Alors là, j'aperçois le Louvre derrière, non? Ouais, c'est le Louvre derrière. Alors du coup, je demandais parce que les cols roulés, l'Afrique et moi, ça, j'en peux plus. Quoi. Je fais une overdose. Ça va. On est en France, tout se passe bien. J'aime bien le look gris, gris sur gris. Alors, je te posais une question pendant qu'on y est. Vu que selon toi, la mode, c'est une question de confiance. Les cols roulés en Afrique, tu valides? 47 degrés. Soleil au zénith.
Je sais pas. Le pont à dos. Le nez sur un genre de marché. Je trouve ça toujours col roulé. Très classique. Très classe. Le col roulé au à 45 degrés. Loza. Elle a habillé Beyoncé. Il faut défier les codes, en fait. Elle a habillé Beyoncé. Je vais parler, on m'a dit, mais toi, tu as fait quoi? Je connais pas Beyoncé. Je connais pas Kelly Rowland. Alors, Loza, il fait chaud. Il fait chaud en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi t'es pas venue dans Tu es dans le clim. Mais... dans la voiture, tout le temps, la majorité du temps. Quel rôle en Afrique? En tant que styliste, tu préconises. Why not? Why not? Loza, c'est quoi tu me fais sur le plateau, là? Donc, ça, c'est Momo. Avec les choristes sur le côté. Alors, j'ai adoré, en fait, ce je dirais pas ce recyclage, j'ai envie de dire, en fait, ce... Passe-moi le thème, en fait. Ce revisiter. Comment ce blazer et ce costume a été revisité avec cette petite note de choristes sur le côté. Et j'adore, en fait, ce camailleux de gris. Ouais. J'adore les camailleux. Je m'amuse avec les camailleux. Ensuite, du gris foncé, du gris clair. Même au niveau des choristes, un peu de plus. J'ai adoré ce style. Un peu moins la posture, parce que je ne sais pas pourquoi il a fait cette posture, comme s'il avait envie de partir aux toilettes. Mais sinon, à part ça, j'ai adoré le dégradé. Moi, j'aime beaucoup le... Moi, je suis très fan aussi du gris sur gris, noir sur noir. C'est donc, un délire. Tu ne peux jamais te tromper avec, je pense, en fait. On est d'accord, on est d'accord. Dans lui, c'est Momo. Alors, j'aime bien ce petit côté, en fait, où il y a plusieurs cultures. Enfin, il y a deux cultures. On a vraiment la culture très européenne et la culture très africaine. Mais qui... avec le Corée. Ça ferait... Le clash. J'adore. Sa tenue aurait été un bébé, ce serait un bébé métisse, non? Toi, t'es métisse aussi. Carteron. Carteron, c'est-à-dire ça, c'est un quart de blanc, c'est ça? C'est ton père qui est métisse et ta mère est complètement noire. Ouais. Des Carteron comme mon fils Mathéo sont des beaux, les Carteron. J'adore les Carteron. Next. Alors, on a qui d'autre? Ah tiens. Alors, elle, c'est une artiste camerounaise. Tu la connais? Non. Elle s'appelle Coco Argenté. D'accord. Alors, je trouve qu'elle est très créative. Elle est très, très, très créative. Le seul problème que j'ai avec elle, en fait, c'est qu'on ne sait pas à quel moment elle est sur scène, à quel moment, en fait, elle sort de scène. Je ne sais pas si tu vois le délire. Mais je pense que tu vas encore me dire que c'est de la confiance. C'est de la confiance. Toujours. Toujours de la confiance. J'imagine aller faire... J'imagine en au supermarché avec le chariot et de la banane sur la tête. Mais je dirais même... C'est la confiance. Tu peux aller également en robe de mariée. C'est également la confiance. Mais je dirais même plus, peut-être que c'est son branding. Oui, Coco Argenté, c'est complètement son branding. Ça, je te le confirme. Et c'est pour ça que je l'adore. Mais crois-moi, je rigolais, mais elle va au supermarché en jogging. Je te rassure tout de suite. Alors, j'ai bien aimé, en fait, cette tenue de Coco Argenté, qui est toute simple, à première vue. Mais tu sais, le petit rappel de la banane sur la tête. Délire, quand même. Un petit bibi en banane. Et puis, c'est une meuf qui aime beaucoup parler de sexualité. Je suis sûre que la banane qu'elle a mise sur la tête, elle ne faisait pas allusion forcément à de la banane. Je sais pas. Ça fait du buzz. Coco Argenté, est-ce que j'ai autre chose à manger? Alors, j'ai fini de manger. Je me suis arrêtée sur une banane. Je vais peut-être en prendre encore ce soir. Je sais pas. Loza, la confiance en soi. J'aimerais que tu nous parles un peu. Développe un peu moins ça. Je pense que ça relève vraiment de se connaître soi-même, de s'assumer autant pour ses qualités que pour ses défauts. Parce que quand on n'a pas confiance, en fait, c'est, en général, on veut cacher un défaut. Moi, pour moi, c'est ce que ça veut dire. On a un peu honte, donc on va simuler certaines choses ou cacher, quoi, comme je dis. Donc, en fait, de pouvoir assumer autant ses qualités que ses défauts, pour moi, c'est un exercice de confiance. Effectivement. Et c'est avec la répétition de cet exercice-là qu'on accumule beaucoup plus de confiance, en fait. D'accord. Donc... Est-ce qu'il est arrivé, en fait, dans une période de ta vie que tu manques de confiance en toi? Bien sûr, comme tout le monde. Comme tout le monde? Oui, je pense qu'on ne naît pas super confiant. Je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert, puisqu'on apprend à se connaître en grandissant en même temps. Et donc, je dirais, oui, quand j'étais plus jeune... Qu'est-ce qui t'a dérangé sur toi? J'étais hyper introvertie. On ne me comprenait pas. Bon, déjà, j'étais à l'école, j'étais créative. Moi, je voulais juste dessiner, passer mon temps à faire des dessins. Donc, les gens ne comprenaient pas, quoi. Donc, et ça tu penses que tu as changé, tu n'es plus introvertie?
Je suis toujours, mais c'est plus introverti, extraverti. Ça m'arrive d'être introverti. Moi, j'aimerais que t'es extraverti juste dans tes vidéos, parce que depuis que t'es arrivée, depuis tout à l'heure, je suis en mode. Dis-moi, Loza. Parce que par exemple, je suis née en fait ton truc là. T'es toujours introverti, Loza, mais c'est, c'est vraiment ambigu en fait. Donc, par exemple, quand je m'exprime dans mes vidéos, comme tu dis, c'est beaucoup d'extraversion. Exactement. Mais après, tu me vois en public, j'en suis dans mon monde, mais je suis en mode observation. Donc, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a ci, il y a ça, ça. Une fois que je me sens en confiance, là maintenant. Un peu comme un animal. Voilà. Loza! Alors, je vais encore justifier ma fiche de paye. On va passer à la pub, Loza. Et on parle un peu de confiance. Tu sais, Loza, alors, aujourd'hui, je suis très introvertie. Je suis à l'image de mon invité. Je n'ai pas trop envie de parler. Je veux être dans mon coin. Je ne veux pas déranger. Loza, Diana Gordon, comment s'est passé le contact avec elle? Je la kiffe. Pareil, comme je t'ai dit, c'est Instagram. Wow. Son équipe me contacte. La magie d'Instagram. En fait, pas qu'est-ce que je fais. Mais l'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'il y a une célébrité qui te porte... Engrenage. Toutes celles qui la suivent vont chercher à se comprendre. Ah, c'est qui cette nouvelle personne? Et surtout quand c'est la Queen Bee qui lance le truc. Donc, alors non, c'est pas Queen Bee. C'est le Solange Knowles. Je sais très bien, ma chérie. Bien je sûr. Sais tout de toi, ma belle. Alors c'est Solange Knowles en fait, qui devait choisir 10 designers. Et parmi les 10 designers, elle t'a choisi. Mais pourquoi je dis Queen Bee? Parce que je suis au courant de ta vie, t'inquiète pas. Je la connais. J'ai dit Queen Bee, pourquoi? Parce que Solange Knowles, effectivement, c'est elle qui t'a introduit chez Beyoncé. C'est ça. Mais celle qui t'a mis vraiment aux yeux de tout le monde, c'est Queen Bee. Effectivement, en termes de visibilité. C'est une réalité. Alors, t'es installée depuis 2012 en Côte d'Ivoire. Pour le coup, comment ça se passe tes rapports avec les artisans sur place? Bon rapport qualité-prix, comment vous gérez? Comment tu gagnes, comment ils gagnent? Écoute, c'est encore en procès. Hein. C'est vraiment... Depuis 2012? Depuis 2012, c'est beaucoup de challenges. Ouais. Donc on essaie de faire avec. J'étais venue d'abord avec l'esprit. Moi, je sais tout. J'ai fait mes études aux États-Unis. On a cette tendance à venir sans en faire disant, exprès, oui, qu'on va changer le monde et qu'on a déjà la formation, qu'on va tout changer. Et en fait, j'ai été mise sur le fait accompli qui est que non, quand tu arrives quelque part, tu demande tu les nouvelles d'abord. Demande les nouvelles, dis bonjour. Tu apprends les nouvelles, comment ça se passe. Et puis, à partir de là, maintenant, vous co-créez ensemble, en fait. Vous travaillez ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Et ça fait beaucoup d'humilité, en fait, et beaucoup d'intelligence pour les faire. Parce que quand je regarde ton cursus, effectivement, en parlant de cursus, ma belle, il y a plusieurs samedis en arrière, j'ai osé parler d'une meuf qui fait du taekwondo. Rude Babi. Elle m'a invitée, en fait, sur son tatami. Heureusement que je te reçois aujourd'hui, parce que je suis au courant quand même que tu as une médaille de bronze de taekwondo en Nairobi. Tu te rappelais plus de ça? Si. Parce que je sais tout de toi, ma belle. C'est une médaille de bronze, mais... C'était bronze, ma belle. Ouais, c'est bronze. Oh, tu te rappelles pas de ta vie? Non, arrête de dire que je connais mieux ta vie que toi. Non, parce que j'ai été championne. J'ai eu des médailles d'or aussi. Donc il fallait que je... Ce que je me rappelle, c'est que j'ai pu... Enfin, non, Kenya, c'était bronze. Nairobi, c'est bronze. Oui. Tu peux applaudir pour moi quand même que je me renseigne bien sur toi. Franchement, je suis impressionnée. Il y a un truc que j'ai remarqué. T'es parentée à Beyoncé? Peut-être. On sait jamais. On sait jamais. Ouais. On me dit souvent que je ressemble à Solange aussi un peu. Ouf en fait. C'est-à-dire surtout quand je lâche mes cheveux. Tu sais, en fait, quand tu fais ta petite raie comme ça et le carré comme ça. Mais de ouf, Solange. Et peut-être qu'on est un peu. Peut-être, mon chien. On sait jamais. On sait jamais. Alors, tu sais quoi? Il y a quelque chose de magnifique que j'ai vu sur ton Instagram, au-delà de tes créativités, au-delà de tout, en fait. Alors, j'ai vu une vidéo de toi. Tu étais en train de danser, de faire tes petits délires habituels. Et puis, il y avait ton fils qui était derrière et qui pleurait. Bien que tu aies coupé le son à son visage, j'ai vu qu'il pleurait, mais fortement. Et puis, il s'est avancé vers toi. Et puis, tu l'as saisi comme ça et tu l'as fait tournoyer et il a éclaté de rire. Cette image est tellement magnifique. En fait, je te jure, je t'en parle et tu sais, moi, je suis très, très enfant. Hein. Mes enfants, c'est toute ma vie, en fait. Et cette image m'a rendue juste pas triste, en fait. J'étais émue. Est-ce que la maternité a changé quelque chose en toi? Oh my God. Ça a changé tout, en fait. Ouais. Pour moi, ça a vraiment été le déclic en termes de développement personnel et de vision de vie. Donc,
Ouais. Ça ne s'explique pas, en fait, sans, quand on ne l'a pas vécu. Ça se vit. C'est ça. Ça se vit. J'ai trop aimé, en fait. J'ai du genre, elle ne s'occupe pas de lui, on te le voit très bien. C'est exactement. Il a éclaté de rire. Comment il s'appelle? Kenji. Il est né où? Ici. En Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Ah, ben voilà, il est né comme nous, en Côte d'Ivoire. Sa mère est née au Brésil, machin chouette, chaud, non, non, USA. Non, Kenzie, attends, et quand elle est là? Moi, passé, elle a repris cadement Kenzie. Alors, Loza, on va passer à ma rubrique code. C'est l'une des rubriques que j'affectionne le plus. Je ne sais pas si avant ou la fashion police. La fashion police, je suis genre méchante. Mais aujourd'hui, j'avais l'air un peu de ne pas savoir quoi dire. Parce que tu étais là. Ah. Et donc, du coup, en fait, la rubrique code, en fait, parce que c'est au-delà de bien s'habiller, mm-hmm. au-delà de parler un langage soutenu, il faut savoir également se tenir. Il faut avoir les codes de bienséance, il faut avoir certaines valeurs de la vie. Il faut connaître la vie, tout simplement. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, en fait, je suis partie, en fait, sur les... Il y en a 8, mais je vais essayer de les diviser. Alors, pour cet épisode de Mood by EK, j'en ai pris 4 pour vous. Les 8 choses à faire pour aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est un très bon sujet. Alors, j'ai repéré 4. On va aller sur le premier. Réduisez vos divertissements. Ouais, s'amuser, c'est la vie. Se divertir, c'est la vie. Mais c'est qu'un trop plein de divertissements peut arriver, en fait, à te freiner dans ton élan. Est-ce que tu valides ça? Absolument. Je pense que ça fait partie des choses qui nous contraint. Complètement. Le plaisir rapide plutôt que la longévité, la vision. Exactement. Alors, le divertissement, c'est au niveau pécunier également. Hein, parce que plus tu te divertis, plus tu sors de l'argent. Et cet argent te servira certainement, en fait, à pouvoir vivre tes rêves, à pouvoir réaliser tes projets. Mm-hmm. Mais si tu es en train de... En mode, j'enjaille, je suis jeune, ou bien je fais la crise de la quarantaine, et que tu passes ton temps à trop te divertir. Attention, je ne suis pas en train de dire de ne pas vous divertir. Mm. Je suis en train de vous dire que pour aller au bout de vos rêves, il faudrait faire des sacrifices. Mm-hmm. Et réduire votre divertissement fait partie de ces sacrifices à faire mm-hmm. pour aller au bout de ses rêves. Next, laissez votre ego de côté. Mm. Alors, cet ego-là, en parlant de divertissement, tu vois, je vais essayer de le faire revenir dans l'ego. L'ego, c'est quoi déjà? C'est ce qui ramène à sa personne. Centré sur nous-mêmes, un petit peu narcissique sur les bords. Mm. Parce que même cet ego-là, en fait, je pense qu'il a été un peu à ton niveau. Quand tu es rentré des États-Unis, quand tu étais face à ces artisans, mm-hmm. tu avais un ego un peu surdimensionné. Madame, je sais tout. Madame qui a fait tous les efforts possibles. Je pense que c'est beaucoup d'ignorance, en fait. Et le manque d'observation. Donc, on peut être confiant de soi et se connaître soi-même. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la conscience de qui on est. Mais quand on le fait en dépit de l'observation de ce qui se passe en dehors de nous, ça, c'est l'ego, je pense. C'est comme ça que j'aurais défini. Avoir beaucoup d'ego vous empêche d'aller vers les gens, mm-hmm. de demander de l'aide, de demander des conseils, d'apprendre à leur côté, d'accepter des critiques. C'est ça. Et quand on met son ego de côté, on arrive à recevoir des critiques. Mm. On arrive à plus s'écouter. On arrive à plus s'analyser. Et quand on veut aller au bout de ce rêve, on a besoin des autres. Et les autres, c'est quoi? C'est pas seulement l'aspect pécunier. C'est les conseils. C'est l'observation. Donc, pour arriver au bout de ses rêves, il faut avoir un ego qui peut être un peu dans les valises. Loza, est-ce que tu demandes des conseils? Aujourd'hui, tu es Loza. Ouais. Mm. Ton CV parle pour toi. Loza, tu peux te taire. Moi, mais j'ai fait ton CV. J'ai parlé pour toi. Le nom de background qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Mais est-ce que tu demandes des conseils encore, Loza? Des avis? Bien sûr, bien sûr. Je vais, en général, quand j'ai une vision, quand j'ai une aspiration pour quelque chose, je vais faire mes recherches sur la personne qui le fait mieux ou comme j'aimerais le faire. D'accord. Et une fois que j'identifie cette personne, si j'ai accès à son réseau, bon, accès à cette personne, je vais essayer de contacter. Hormis les personnes que tu aurais accès au réseau, les personnes que tu aurais dans le visuel, si mmh. n'importe quelle personne, si tu te donnes des conseils, mmh. elles sont s'y connaître. Est-ce que tu as encore ce réflexe de pouvoir écouter? Mais comment tu sais si quelqu'un connaît ou pas? Merci, j'adore la réponse. Ça veut dire qu'il ne faut pas juger et faut prendre le temps d'écouter. Applaudissez. Qu'on peut apprendre de tout le monde. On apprend de tout le monde. Et quand l'ego est mis de côté, ça aide beaucoup. Mm-hmm. Le troisième point. Se remettre en question. Mm-hmm. Remettez-vous en question. Loza, quand elle est venue des États-Unis en mode...
Hello, my name is Loza. C'était exactement ça. C'était exactement ça. Je vais changer le monde. C'est ça. Alors, moi, j'ai fait des cours d'infographie. Tu sais qui je suis, moi, déjà. Enfin, je sais que t'as pas dit qui je sais que je suis, mais je sais que tu étais un peu perché, obligé. T'es perché naturellement. C'est la vie qui le veut. Et puis, à un moment, tu t'es dit, bon, d'accord, je dois apprendre. J'ai eu des réactions qu'il fallait peut-être pas avoir en premier abord. La remise en question. C'est dans le cas de Loza. Mais la remise en question pour vous, ça serait quoi? Déjà, revoir les divertissements. Je sors un peu de trop. Je sors trop de thunes. Cet argent peut servir à mettre de côté déjà pour pouvoir vivre mes rêves. Je n'écoute pas beaucoup. J'ai un égo surdimensionné. Il faudrait que je puisse être plus attentive aux autres, que je puisse être plus humble. Donc la remise en question est essentielle dans tous les domaines de notre vie, en fait, en réalité. Il faut se remettre en question n'importe où. Mais surtout pour arriver jusqu'au bout de ses rêves. Ouais, parce qu'arriver au bout d'un rêve, en fait, c'est un fleuve pas très tranquille. Hein. On a tellement de péripéties, on tombe, on se relève, on truc. Et pour pouvoir se relever, c'est la remise en question de pourquoi je suis tombée à cet instant. Qu'est-ce que je dois faire encore pour remonter? Tout est dans la remise en question. Même quand ta cuisine n'a pas été bonne pour B et qu'il s'en plaint, remets-toi en question, girl. Bon, là, ça n'a rien à voir avec mon sujet. Bon, ça n'avait rien à voir avec mon sujet, pour le coup. T'es fiancée d'un rêve. T'es fiancée, Loza? T'es mariée? C'est compliqué? C'est pas compliqué, non. Mais je pense que j'ai d'autres objectifs pardon, pour le moment. D'accord. T'es en couple? Loza? Oui. On adore. On adore. Ah, l'élu. Alors, Loza, le quatrième et dernier point qui va te plaire certainement. Oser prendre des risques. Yes. Tu as pris des risques, ma belle. Absolument. Alors, quand on regarde le parcours de Loza, on se dit quelle vénarde, mais quelle chanceuse. Ah non, moi, j'ai bien suivi son parcours. Eh ouais, je lis pas n'importe quel background, moi. Je lis les backgrounds qui me motivent. Le genre de background réel que j'aime bien lire, qui me motive, qui me stimule, qui me rend un peu aigri. Je me dis, elle dit quoi même? Faut que je fasse comme elle. Parce que moi aussi, j'ai ma ligne de vêtements, en fait, qui sort dans pas très longtemps. Génial. Qui va s'appeler Eukaz Wardrobe. Donc, le vestiaire de Euka. Bon, je pense que j'aurai des problèmes avec ma direction qui parle de publicité. Donc, oui, je lance également ma marque de vêtements. Et donc, oui, quand tu lances ta marque de vêtements, tu as envie de lire, en fait, des gens qui ont réussi. Mais surtout, qui ont une histoire. Quand une histoire. Et Loza, par exemple, a une histoire. C'est pour ça qu'elle a l'impression que je connais sa vie par cœur, mais c'est juste qu'en fait, j'ai pris le temps de regarder des gens qui sont des devanciers. Quand on dit devancier, c'est, elle peut être moins âgée que moi, mais dans le secteur d'activité dans lequel elle est, moi, je serais un bébé. Donc, il faut regarder d'abord les gens qui sont en face. Donc, on va revenir au quatrième point, qui est oser prendre des risques. Loza, tu as dit que quand les gens portent leur pullover à 47 degrés, là, ça fait des risques qu'ils prennent. Moi, je ne sais pas. Que je suis valide, ça. Oui, en fait, on est tous là pour expérimenter. On est là pour combien de temps, on ne sait pas. Si on doit se limiter sur la vie, ce que les gens pensent, comment le les politiquement gens... correct. En fait, tu ne t'exprimes pas, tu n'explores pas. Et je pense que vraiment, à la base, le but, c'est de vraiment pouvoir explorer. Si tu veux savoir ce que tu veux faire, il faut se tâter à plein de choses, en fait. Et pour se tâter, il faut oser. Donc, quelquefois, tu vas faire des choses, tu vas faire des choix que les gens vont juger fous, crazy, mais tu sais que ça va te diriger quelque part. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que moi, je mène ma vie et donc, j'encourage tout le monde. Alors, merci, Loza. Applaudissez pour cette danse. Alors, je vais essayer de recentrer encore ce petit passage qui est oser prendre des risques pour arriver jusqu'au bout de ses rêves. Les gens qui ne rêvent pas, ne prennent même pas de risques. Ils ne savent pas ce que c'est. Quand on est en train de parler entre nous rêveurs et entre nous personnes qui se projettent, ils ne peuvent pas comprendre ce langage. Ça fait exactement plus de 3 mois que je suis en Côte d'Ivoire. Ma base est la France, où j'ai 3 merveilleux enfants. Oser prendre des risques, c'est me dire que je vais venir pendant des mois, me couper pendant un moment d'eux, travailler dur et rentrer le 4e mois. C'est un risque que je prends. Et c'est un risque qui est organisé et structuré. Quand je me lève et que je veux créer une marque de vêtements alors que je ne suis pas du tout styliste, je ne sais même pas dessiner, en fait. Je sais juste apprécier de beaux vêtements. C'est prendre des risques. Je sors de ma zone de confort, donc je prends des risques. Et je sors de ces zones de confort tant dans le talent
je ne suis pas styliste, et tant sur le continent. Parce que, il faut dire que je redécouvre la Côte d'Ivoire. Donc, je suis venue m'installer pendant 3 mois. Il fallait que je sois sur pied. Il fallait que je reste là, que je ne bouge pas pour me refaire un carnet d'adresses. Pour tout recommencer à zéro. Mais c'est prendre beaucoup de risques, en fait. Bien sûr. Mais énormément. Mais ça, ceux qui peuvent le comprendre, en fait, c'est ceux des gens qui rêvent. C'est que des gens qui rêvent. Donc, osez prendre des risques dans tous les domaines d'activité de vos vies. Loza, quel est ton styliste africain préféré, hormis toi? Styliste africain préféré. Alors, il y a une marque sud-africaine, Machosa. Je ne connais pas. Donc, c'est sud-africain. Il y a beaucoup de Nigériens aussi que j'aime bien, Maki O. Et Ivoirien, ta personne? Ah, Eka Wardrobe, yeah. Non, non, c'est pas ça. Mais je n'ai pas encore vu, je ne sais pas encore lancé. Je te montre. Ah, j'aimerais bien voir. Tu aurais pu dire que... C'est pas grave, vas-y, Ivoirien. Alors, Ivoirien, j'aime beaucoup Olo Concept. D'accord. C'est très épuré, classique. Comme toi, comme ton vestiaire. Non, ton vestiaire n'est pas si épuré que ça. Comme avec les bijoux, il est plus cosmopolite, ton vestiaire, à toi. Ça, c'est éclectique aussi. Il y a beaucoup de dichotomie. Exactement. Moi, je ne sais pas, quand je vois ton vestiaire, je vois directement cosmopolite. J'espère que je ne me trompe pas. Un peu, quand même. C'est ça. Alors, c'est sur mon petit air de connaisseuse de la mode que je vais remercier mon public All Black. Notre illustre invité, je pourrais me vanter d'avoir reçu sur mon plateau, en fait, Loza, celle qui habille Beyoncé, qui habille Kelly Rowland, qui habille Wizkid. La liste est tellement longue. Tiana Taylor, et j'en passe, et pas sur Bazar, et sans, je suis pas votre copine. mon invité. Alors, j'ai adoré être en ta compagnie. J'ai beaucoup appris ce soir. Tu m'as enseigné pas mal de choses, et je te dis merci. Et je pense que les gens derrière cette caméra ont également beaucoup appris avec toi. Merci d'être africaine, Loza. Merci. Merci de me recevoir. Alors, ce sera comme ça, hein, tous les samedis à 18h40. Et toujours avec moi, Eka. C'était un plaisir de t'avoir, ma belle. Merci beaucoup.